Alors, c'est parti. Donc là maintenant, l'idée, ça va être... Je vais laisser les trucs ouverts, c'est pas bien. J'en ai une autre ici. Ça va être de télécharger des données, mais pas en passant par des flux, mais en passant par des fichiers SHP que je peux récupérer sur Datagoo, la Data Nantes aussi, Nantes Métropole. Puis plein d'autres sources et puis évidemment IGN. Alors moi pour les couches, moi ce que je veux faire c'est le relief, hein, donc il va falloir la topo. Les couches MNT, modèle numérique de terrain. Alors si je vais sur Internet, je suis sur mes services Géoportail. Je remonte tout là-haut. Alors j'ai d'abord été dans téléchargement et puis ma foi pour le coup, si je tape RGE et si je cherche, ça me donne rien, donc ça ne marche peut-être pas aujourd'hui. Donc j'ai été voir les fiches produits au sein du catalogue. Et puis là, voilà, je suis tombé sur tout ce que je peux télécharger. Ça fait des archives colossales. Donc je vais aller sur RGE Alti parce que l'image me plaît. Et puis sur RGE Alti, là vous avez par département le fichier, les dédales qui sont dont l'altitude a été référencée. Alors ça c'est l'altitude 1 mètre. J'ai fait un premier test que j'ai abandonné puisqu'il faisait 3 gigas. Donc après j'ai été dans l'altitude 5 mètres. J'ai cliqué dessus et l'altitude 5 mètres, c'est ce que je suis en train de télécharger. Donc là c'est un fichier qui ne fait que 221 mégas. Donc je vais mettre sur pause en attendant que le téléchargement soit fini. Et vous allez voir que donc le contenu de ce fichier, c'est moche, c'est gris, mais c'est pratique. Donc je mets sur pause. Je relance, le téléchargement n'est pas fini, mais qu'est-ce que j'ai fait pour tomber sur Data Nantes Métropole? Alors une recherche fréquente et qui peut donner de bons résultats. Si vous tapez Nantes et puis après SHP derrière et vous regardez ce qui vous arrive, commune de Nantes, vous pouvez trouver des données, par exemple Datagouv, Nantes et Jardins. Si je vais dessus, ville de Nantes, fichier 4, ben là j'ai des données, je ne sais pas lesquelles, mais qui sont au format SHP, donc je pourrais réexploiter avec QGIS. Donc moi j'ai fait la même chose. Je vais faire précédent, mais j'ai été sur Open Data Nantes Métropole. Donc je suis arrivé là-dessus. Et puis je sais que j'avais vu passer un fichier qui s'appelait Occupation des sols. Donc j'ai tapé ça et ben ça tombe bien. J'ai des fichiers, enfin j'ai à première vue. Matière à télécharger, tiens, l'occupation des sols de 52, 2012, 2014, 81. Alors, il y a moyen de peaufiner ma recherche. Niveau 3. Si je mets niveau 3, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais donc là, j'ai du niveau 3, 52, 99, 2008. On ne peut pas les classer par date. Je crois que le plus récent, c'est 2020. 49, ça. Mode d'occupation, c'est mode d'occupation et occupation, il y a peut-être une subtile différence. Enfin, allez, ne perdons pas de temps, je vais me prendre celui de 2020, occupation des sols, donc je vais cliquer là-dessus. Et puis là-dessus, ben tiens, toutes ces données que je vois dans le tableau, je peux les visualiser dans une carte. Voilà. Et puis j'ai un bouton export. Je peux y aller et je retrouve Shapefile, jeu de données entier, soyons fous. Hop, voici mon deuxième téléchargement. Un dossier zippé.zip, un dossier 7zippé, 7zip, ma foi, lequel arrivera le premier? Et ben la réponse, c'est le plan d'occupation des sols. Donc je vais remettre sur pause. Non, ben, je vais m'occuper de celui-là. Tiens, plan d'occupation des sols, il est zippé. Il est zippé, donc il est dans mon dossier téléchargement. Téléchargement, hop, il est là. Ça, c'est celui qui est en cours. Je le dézippe, extraire tout. Je vais OK.
dossier extrait, celui-là, je peux le supprimer. Si je m'en sers, j'ai tout intérêt à glisser dans mon dossier de travail, comme ça j'aurai tout dedans. Et donc là, je vais peut-être simplifier le nom, hop, de l'archive. Alors je vais aller dedans. Et qu'est-ce qu'il contient? Ben, à première vue, un fichier de forme, SHP, la projection, les données, 34 mégas. Donc il y a de la donnée. Très bien. Et si je veux voir ce qu'il y a dedans, eh bien, soyons fous, je retourne dans QGIS. Pour le coup, je vais dézoomer. Je vais m'enlever le plan IGN. Donc pour l'instant, voici les seules données que j'ai. Et puis avec celles que j'ai téléchargées, donc celles-là, qui ne m'intéresseront pas en fait. Et je m'en vais alors ouvrir des données SHP, donc je ne crée pas, d'accord, mais je vais chercher l'archive, enfin pas l'archive, mais les données. Donc ce sont des données SHP, donc vecteur, le fichier, je vais aller pointer dessus, occupation des sols, je m'en vais sélectionner le source, le fichier SHP, la source de forme, et puis je vais cliquer sur AutoCAD, et puis je vais faire ajouter, et puis fermer. Il aura tout ajouté. Toc. Alors, à première vue, ça colle bien. Donc, ma zone urbaine, je peux les supprimer. Et puis, soyons curieux, si je fais un clic droit, si je vais ouvrir la table d'attribution, terrain vacant, friche urbaine, qu'est-ce que j'ai d'autre? Parc et jardin urbain, équipement et loisirs, hameau, j'ai plein de trucs. J'ai plein de trucs, mais tout n'y est pas. Alors tiens, là j'ai des... Alors ça c'est un problème de codage. J'ai pris UTF-8 pourtant. Donc je m'en vais essayer de résoudre ce problème. Alors les bonnes nouvelles, c'est que pour l'encodage, j'ai une solution. Donc j'ai supprimé ma couche, hein, je vais recommencer l'import, donc plus. J'ai bien mis UTF-8, mais j'ai rajouté ici en coding UTF-8. C'est toujours le même chemin, un fichier, et si je fais ajouter, je la vois. Si je fais un clic droit, ouvrir la table d'attribution, et si j'agrandis cette zone-là, et si je descends la friche urbaine, non, jardin, mais forêt, voilà, électricité, là, tous les accents sur les E, là, ça passait pas. Donc là, maintenant, c'est parfait. Ce qui fait que je pourrais, là aussi, mettre des couleurs, tant qu'à faire un truc joli, mettre des couleurs. J'ai beaucoup d'entités, je ne sais pas combien j'en ai d'ailleurs. Tiens, clic droit, propriété, information, 14 319 entités. Soyons fous. Je vais les garder. Et si je refais un clic droit, d'ailleurs, j'aurais dû aller plus loin. Propriété, si je vais dans et dans symbologie, pardon, on va se refaire catégoriser le champ. Pardon, j'ai oublié son nom. Je crois que c'était ça, champ texte, on va voir, classer, ok, ben j'ai tout ça, et si je fais appliquer, je vais avoir des couleurs, ok, automatique. Alors ça, ok, j'ai plein de couleurs, c'est beau. C'est beau. Enfin bon. 9 minutes 36 de vidéo. Est-ce que j'ai le temps? Oui, ben, tant qu'à mouliner comme ça. J'ai pire que ça, donc... j'ai pire que ça. C'est l'autre couche qui est arrivée. Alors, l'autre téléchargement qui est arrivé, c'était lui, RGE Alti. Eh bien... Alors je retourne.
dans mon dossier téléchargement, j'ai un truc effroyable, c'est lui. Alors c'est un fichier compressé avec 7 zip, donc si vous ne l'avez pas, il faut le télécharger, 7 zip. Je vais extraire vert, donc comme ça je conserve le nom de dossier. Ça faisait de... je ne sais pas combien il faisait, celui-là 300... je ne sais plus. Il suffit de regarder, en fait. Ce fichier-là faisait 226 mégas compressé et décompressé. Oh, on doit dépasser le giga, je pense. Donc il est monstrueux. Ce fichier contient une série de dalles. Et en cours, moi je ne vous ai donné que le carreau qui correspondait à votre zone d'étude. Donc voilà, en fait je vais faire une autre vidéo.